j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le WOD, c'est un 6 tours pour un max de rep sur 1 minute 30. Donc pendant les 1 minute 30, vous ferez 50 DU et le reste du temps, vous ferez le max de thrusters possible. Entre les chaque tour, vous prendrez 2 minutes de repos. Vous avez un temps de récup assez important, donc il va falloir mettre une intensité maximale sur vos répétitions. Alors, la charge pour les thrusters, c'est 42-5-30. Ça sera à adapter, le but c'est que le reste du temps, vous fassiez vos thrusters en maximum 1 à 2 séries. Donc vous devez être au moins capable de faire 10 thrusters unbroken sur la charge choisie. Alors les DU, on rappelle, c'est un double tour de corde lorsque vous faites un saut. Si vous ne les maîtrisez pas, vous pouvez doubler le nombre de répétitions et faire des single under, donc un tour de corde. Les thrusters, on pensera bien, on garde le poids dans les talons, les fesses partent vers le bas et l'arrière, on casse la parallèle et on pousse en bras une fois qu'on a fini l'extension de hanche quand on se relève. Donc pour commencer, on va pouvoir partir sur de la mobilité. Alors, tout d'abord, défente, 30 secondes de chaque côté. Donc on pose un genou au sol et on vient étirer l'avant de la cuisse. Ensuite, on peut basculer vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe au niveau des ischios. Pareil, 30 secondes de chaque côté. Ensuite, vous pouvez venir faire des mobilisations autour des chevilles en position de squat profond, 30 secondes. Vous pouvez faire 10 bootstrapper squats, donc vous alternez la position de squat profond et d'extension de jambes pour venir tirer à l'arrière des cuisses. Et pour terminer, 30 secondes en pose de l'enfant. Ça va permettre d'étirer un peu le bas du dos et les épaules. On va poursuivre sur un travail des thrusters, donc pour ça vous allez pouvoir faire le complexe unbroken de un power clean, un front squat, un push press, un power clean, un thruster. Le power clean, on vient bien faire l'extension complète au niveau des hanches. Le front squat, le poids dans les talons, on casse la parallèle et on se redresse. Le push press, à l'aide d'un petit appel, on vient pousser la barre au-dessus de la tête. On refait un power clean et le thruster, on casse bien la parallèle, le poids dans les talons et on pousse en bras une fois qu'on a fini l'extension de hanche. Vous pouvez monter en charge sur une charge au-dessus de celle du WOD, on redescendra ensuite. On va continuer sur un travail de DU. Donc, vous pouvez commencer par 2 minutes de single under, donc un tour de corde par saut. On essaye de bien sauter vertical, on serre les abdos. Ensuite, vous allez pouvoir faire 2 séries de 10 double tap. Donc, c'est ce qu'on connaît sous le nom du pingouin. Donc, on fait des sauts verticaux et pendant le saut, on vient taper 2 fois au niveau des hanches. Ça nous permet de travailler la coordination nécessaire pour les DU. Ensuite, vous pouvez partir sur 4 séries de 30 secondes où vous allez essayer de faire le maximum de DU. Donc, vous pouvez venir faire un single under, un DU, un single under, un DU, si vous maîtrisez. Sinon, si c'est plus difficile, vous pouvez faire 5 single under, un DU, 5 single under, un DU, et ainsi de suite. Si vous maîtrisez les DU, bien sûr, vous essayez d'en enchaîner un maximum. Pour terminer l'échauffement, vous pouvez venir faire 2 séries de 5 thrusters unbroken à la charge du WOD. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine !